Salut les potes, ici Kira, j'espère que vous avez la patate et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Clundron in the Danger Zone, le jeu de robots où nous allons nous castagner la gueule dans une arène. Vous vous rappelez, on avait déjà fait des vidéos dessus il y a un petit moment, sauf que là il y a eu de nouvelles mises à jour et il y a eu une mise à jour avec des challenges. Et là ça me tente bien parce qu'on va essayer de relever les challenges, il y en a en tout 4. Si je me trompe pas, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais écoutez, on va tester tout ça ensemble. Bon, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. On y va pour le premier challenge, The Inferno Challenge. Let's go. Et qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, on va découvrir tout ça ensemble. Et ça commence par des robots avec des sortes de... d'armes enflammées. Oh, putain de merde. Ils ont l'arme en feu. Je comprends pourquoi le challenge s'appelait Inferno. Ça fait sens, en effet ça fait sens. Ouais, c'est une expression que j'utilise depuis quelques temps. C'est très étrange mais let's go. Alors on a quoi comme compétence? Ah, on a aucune compétence pour l'instant. Forcément, bon bah écoutez, on va essayer d'y aller hein. J'attendais de voir un peu ce qu'ils font. Ils ont pas l'air de faire grand chose, donc c'est parti. Ok, le coup d'épée. D'accord, ok. Bon, c'était on va dire l'essai d'entraînement. Voilà, il fallait bien que je me chauffe un peu. Et là, cette fois-ci, on va pas se laisser faire. Let's go, bon. Wow, ok, bon. C'est pas des robots. Nul à chier. Bah, dis donc, pour ce premier challenge, c'est quand même assez compliqué. Je pense qu'il y a plusieurs levels en plus. Wow, on se calme tout de suite. On se calme. Et, allez, tiens. Et je... Oh, je les ai... Oh, j'ai tiré les deux en même temps avec un coup de sabre laser. Bah écoutez, c'était rapide et efficace. Je pensais pas que j'allais réussir de cette façon, mais écoutez, je suis assez content de moi. Donc là, comme d'habitude, on va avoir des améliorations. Bon, finalement, le mode challenge, c'est exactement comme les autres modes, il n'y a pas trop de changements. À part que je crois que ça nous permet de débloquer justement une récompense si on réussit ce challenge. Et voilà, bon, niveau amélioration, on va partir encore. Oh là là, mais attendez, mais il y a beaucoup plus d'améliorations que la dernière fois. On va pouvoir... Attendez, on va pouvoir faire des flammes. Ah, on peut faire même des marteaux en feu. Ah ouais, on va pouvoir... Ok, on va pouvoir faire tout en feu en fait. Épée en feu, marteau en feu, flèche en feu. Très bien, bon écoutez, je sais pas sur quoi on va partir. J'ai bien envie de prendre le marteau. Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc c'est parti, on y va. Bon par contre, si je meurs, bah je pleure. Alors comment on fait déjà pour changer d'arme? Je crois que c'est les... Ah voilà, ok, c'est les touches, c'est bon, je m'en rappelle. Bon, le marteau ça permet vraiment de fracasser l'ennemi et très bien, très très bien. Alors est-ce qu'ils peuvent se prendre le feu? Alors forcément. What the fuck. Attendez, ils vont mourir comme ça ou je rêve? Oh non non, eux ils vont passer malheureusement. Oh putain de... Allez, allez les coups de marteau. On tourne sur nous-mêmes. Ah non. Allez la petite... Wow, attention, on va se barrer d'ici. On va passer sur le côté bien entendu. Et oui, en gros on en a tué que un avec le marteau, les autres sont tous morts par le feu. Vous êtes mauvais hein. Ah, ce challenge il est pas assez... Non, il est pas assez bon pour moi hein. Je suis beaucoup trop fort. Attendez, ils viennent de dire nous allons jouer à un jeu d'humains où le sol est de la lave. Alors je sais pas si vous avez déjà fait ça quand vous étiez petit, mais moi quand j'étais jeune, on avait un jeu, je pense que tout le monde l'a déjà fait. On pensait que le sol était de la lave. Et je pense que tout le monde l'a déjà fait au moins une fois. Mais même pas que à l'intérieur de la maison. Moi, je me rappelle, je le faisais avec des potes dehors, en fait. Il y avait du sable, c'était dans une sorte de jeu. Ouais, mon histoire est très longue. Et on devait pas toucher le sol, sinon on mourait. Et genre, on s'amusait pendant des heures à un jeu de merde. Vous avez vu qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour s'amuser étant enfant. Et j'ai raconté ma vie pendant un épisode. C'est cool. Bon, et ce que je vous propose, c'est d'augmenter la taille du marteau. Comme ça, on va faire encore plus de dégâts. Oh, bon. Alors, j'ai pas l'impression qu'il a augmenté. Quoique. Bon, je sais pas. Bon, on verra bien. On verra quand on va commencer à taper les gens. Bon, c'est parti du coup pour le troisième level. Et let's go. Et nous allons devoir sauter. Ah, d'accord. Ok, donc le sol, c'est bien de la lave. Donc, c'était pas une blague. Très bien. Donc, on va essayer de passer ici. Boum. Merde, il a esquivé. Non mais c'est pas vrai. Oh my god. J'étais beaucoup trop pressé. J'ai... Bah je suis mort. Bon, j'allais pas abandonner quand même. Du coup j'ai décidé de prendre le kick à la place du marteau. Alors est-ce que ça va être payant? Bah écoutez, on va le découvrir maintenant. Et boum. Allez, on en a kick 2. Alors est-ce que ça va permettre de les...
Oh mon dieu, c'est pas facile quand même. Mais le kick, c'est vrai qu'il est cool. Ça vous permet de tuer les ennemis qui sont au sol du coup. Et c'est quand même super intéressant. On va pas se mentir. Oh putain, toi avec ton gros marteau. Et voilà, c'est propre. C'est parfait. On va repasser au troisième level et j'espère que cette fois-ci on va réussir. Bon, laissez-moi descendre s'il vous plaît. Non, laissez-moi descendre s'il vous plaît. Ah bah enfin, dis donc. T'as tous les corps qui descendent avec moi. Bon, du coup, amélioration, qu'est-ce qu'on prend cette fois-ci pour le troisième level? Je pense qu'on va prendre... Oh, j'ai bien envie de prendre un clone. Allez, je vais prendre un clone parce que j'ai peur de mourir. J'ai peur de la mort. Et j'ai pas envie de tout recommencer. Donc, pour le troisième level, on a un clone. On a un gage de sécurité. On a un petit cœur. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Bon, allez, let's go. C'est parti. Et cette fois-ci, on va essayer de pas se faire brûler par le feu. Allez. Et let's go. À gauche, Kirin. Voilà, c'est bon, là t'attends, tu patientes. Oh putain. Oh, boum. Allez, alors on va attendre. On attend le... Allez, non. Oh non. Oh mais non. Oh mais non, Kira, t'as perdu ton cœur bêtement. Oh mon dieu. Heureusement que j'ai pris le cœur, parce qu'on aurait perdu. Allez, je peux pas perdre sur ça. Mais c'est très fourbe quand même ce passage, parce que vous êtes là en train d'attendre que la flamme se stoppe, mais en même temps il y a des flèches qui arrivent sur vous. Ouais, c'est fourbe. Ouais, c'est très fourbe. Ok, là on va passer à gauche. Là on va passer à droite. Allez. On va passer sur le côté, là on peut passer sur le côté. Meurs. Oui. Oh mon dieu. Attendez, on va tuer d'abord lui. Et il a touché son pote ou je rêve? Allez, c'est réussi. Alors, non, c'est pas tout à fait réussi parce qu'on doit revenir là-bas. Mais il n'y a plus de flamme. Donc ça va. Donc logiquement, je vais pas tomber comme une merde. Vous avez vu quand même, le choix du cœur nous a sauvés. Et heureusement que j'ai sauté parce que je serais peut-être tombé dans la lave là. Faire attention. Bon, est-ce qu'on reprend un cœur? Ah, j'ai envie encore de partir sécurité. Hein. Et je crois que c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, mais on va essayer quand même de pas perdre le cœur, parce que le but c'est quand même justement d'accumuler des cœurs pour pouvoir être safe. Hey yeah, un nouveau cœur, let's go. Parce qu'il faudra quand même améliorer notre personnage, sinon on va pas aller très loin. C'est parti pour le quatrième level. Ah ouais, ça commence comme ça. Bon bah écoutez, let's go. Oh mon dieu, vraiment. Oh putain de merde. Oh mon dieu. Oh mais c'est beaucoup trop dur. C'est beaucoup trop dur. Oh non. Oh non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça meurt. Et meurt. Oh. Oh, il m'a poussé, il a réussi à me pousser l'enfoiré. Alors là, je peux... Oh merde, attendez. Ah, j'ai perdu. J'ai perdu une jambe. J'ai perdu ma jambe. Non, 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 non. 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 Non, mais non. Mais j'ai perdu ma jambe, je pouvais plus kicker. J'ai même pas réussi à claquer un kick. Oh mon dieu. Allez, je crois que je vais prendre un cœur à chaque level pour permettre d'avancer dans le jeu. Là c'est pareil, j'aurais pas pris de cœur, bah après ça veut rien dire, peut-être que j'aurais pris une autre amélioration qui m'aurait permis de réussir ce level. On sait pas. Mais bon. Bon là j'espère que je vais pas louper parce qu'il reste un mec. Allez. Je t'ai découpé direct, mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a un problème. Allez voilà. Allez, bah heureusement ils ont mis... Dans ma tête je me dis mais comment on va se barrer d'ici? On est foutu. Très bien. Bon. Bah là du coup j'ai encore envie de reprendre un cœur, ça va être une addiction. Je vais être addict au clone. Mince, qu'est-ce que je fais les amis? Je ne sais pas, vous pouvez pas me répondre malheureusement, c'est une vidéo. Je pense qu'on... Oh je vais reprendre un cœur. De toute façon au bout d'un moment je pourrais plus en prendre, quoi qu'il arrive, c'est 5 cœurs maximum. Au bout d'un moment je pourrais plus et je pourrais plus avancer dans le jeu. Allez, faut au moins que j'essaye de garder un cœur. Donc faut que j'essaie de réussir parfaitement ce level là. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ces robots de merde? Oh mon dieu, vous sentez la difficulté ou pas là? Ah ça par contre c'est drôle. Ah ça par contre... Oh putain, oh mon dieu. Ah ça je kiffe. Oh là là, n'importe quoi. Et on repart de l'autre côté. Et on repart de l'autre côté. Alors les robots sont complètement perdus là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement con. Waouh. Attendez. Bon, on va devoir y aller les amis, c'est le moment, on va devoir se fight. Waouh. Allez, hop, un qui vient de mourir, le deuxième qui vient de mourir, et le troisième qui vient de mourir, c'est propre. Alors là, il reste que des robots de merde. Franchement, si je loupe ce truc, si je perds mon cœur bêtement, je m'en voudrais toute ma vie. Allez, on les découpe sur le côté, Kira sur le côté. Voilà, c'est bien, il en reste un. Et oui, ça c'est bon, on a réussi à garder notre cœur. Et là par contre on est bien. Là on est bien puisqu'il nous reste un cœur. Et on va pouvoir prendre d'autres améliorations enfin. Ah ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir.
Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme amélioration? J'en ai aucune idée. Je pense qu'on va prendre quelque chose qui nous permet. L'arc est nul, j'aime pas trop l'arc. Je pense qu'on peut prendre Ah attendez, on peut prendre une. Ça c'est bien, je pense qu'on va bloquer les projectiles. Parce que ça peut bien nous aider. Si par la suite on a beaucoup d'archers. Ouais, ça c'est intéressant. C'est intéressant, donc ça permet de bloquer les projectiles à 90% là. Enfin à 90 degrés actuellement. Et automatiquement. Il faut que je me rappelle que j'ai mon petit kick. What the fuck, c'est parce quoi là? Oh mon dieu, ça a balancé des bombes. Putain, j'ai bien fait d'avancer tout de suite. Alors tiens, la petite découpe. Oh là là, il se passe quoi là? Il se passe quoi? Il faut aller où là? Là, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah merde, d'accord, ok, il faut passer par là. On va attendre que ça se finisse. Oh non, non, non. Oh putain, j'ai eu peur. Oh, j'ai. Meurs toi, meurs. De toute façon, je peux renvoyer les projectiles. Oh le petit kick, toi. Allez, bouh. Et tu viens de mourir comme une. Merci le cœur. Merci, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Parce que là tu m'as sauvé encore une fois la vie. Oh, par contre je peux pas me faire avoir bêtement comme ça. Ok, bon on va devoir faire attention aux bombinettes les amis. Ça va être très important ici. Ça va être super super important. On peut pas louper ça. Oh non 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 non. Kira Kira. Oh mon dieu, j'ai eu chaud au cul. Oh j'ai. Non non non. Mais non. Mais non. Mais non, c'est dégueu. Putain. Putain de merde. Ah oui, non mais là, là je suis haineux. Je suis haineux à 100%. La haine monte en moi, mais non mais. Oh mais non. J'aurais dû patienter. J'aurais dû patienter en l'air et attendre qu'il n'y ait plus de bombinettes. Bon les amis, je suis revenu au même level. J'ai actuellement 2 cœurs sur moi et j'ai pris l'amélioration pour renvoyer les flèches. Ça m'a bien servi avant. Alors là, je sais plus s'il y a des archers, mais je crois que si. On va essayer de gérer, j'espère qu'on ne va pas mourir. C'est parti, let's go. Je suis concentré à 100%. Je peux vous dire que ce challenge, il est vraiment, vraiment pas facile. Écoutez, on va essayer. Alors, je me rappelais plus qu'il y avait des putains de robots ici, mais bon, pourquoi pas. Voilà, on va les tuer rapidement. Et parfaitement, proprement. Ça fait plaisir. C'est parti, cette fois-ci, on va essayer de ne pas se faire avoir par les petites bombinettes. J'espère que ça va fonctionner. Ok, il y en a une ici. On fait attention, on fait très attention aux bombinettes. On essaie de rester au milieu, au centre. Oh là là, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Attention, il y en a une pas loin. Oh putain, putain de merde. On espère que les ennemis se fassent toucher par les bombinettes. Allez, mais mourez là, bordel, mourez. Mourez 22. Ok, lui il est mort. Non, 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 non. Ça. Non. Ça m'a quand même tué. J'y crois pas. Ça m'a quand même tué, heureusement qu'on a 2 clones. Oh mais non, j'étais content de pas être tombé dans la lave. Mais je suis mort. Oh merde. Bon, je me suis pris une flèche, je crois bien. Et j'ai pas pu la renvoyer forcément parce que j'étais j'étais au sol. Donc c'est un peu difficile de renvoyer une flèche au sol. Alors toi, oh, je peux pas mourir contre lui. Je peux pas mourir contre lui. Non 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 non. Ok, c'est bon. Il a reçu une bombinette aussi sur lui. Allez. Allez Kira. Allez Kira, oui. Tue-le. Oh 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 oh. Tranquille. Ah ouais ouais, yes, ça c'est bon, ça c'est bon. Non. Attention, il y a de la lave pas loin. Oh merde 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 merde. Non 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 non. Non. Oh, c'est beaucoup trop hardcore. On va rester de ce côté là pour pas tomber dans la lave. Je vous rappelle que les bombes peuvent. Oui. On l'a vaincu, on l'a eu. Donc maintenant il nous reste, je crois bien, les 2 araignées. Si bien je crois bien, parce que je me rappelle pas s'il reste un robot. Bon bah écoutez, on va y aller. De toute façon on n'a pas trop le choix. C'est parti, let's go. Oh putain, oh putain, non 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 non. Oh putain, c'était chaud. Je peux vous dire que là c'était hardcore. Alors, ah bah c'est bon, lui il a été touché. Allez, on y va, go go go, on y va, on y va, on va lui couper, on va le détruire, on y va, c'est parti. Allez. Il est pas mort. Attendez, attendez, si, 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 si. Merde, il est pas mort, il est pas encore mort. Faut y aller. Et meurt. Et meurt, 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 meurt. Oui, il reste une araignée qu'on va pouvoir tuer. Elle a perdu une patte. Elle a perdu une petite patoune, mais c'est pas ça qui lui empêche de pouvoir nous tuer. Alors, on va se mettre sur la droite, comme ça, si on tombe, on tombe dans le vide. Et on tombe pas forcément dans la lave. Allez. Oui. C'est réussi. On a réussi ce level qui était pour moi quand même assez compliqué. Et le challenge a pas l'air d'être terminé. Bah écoutez, on continue, let's go. Alors qu'est-ce qu'on va prendre comme amélioration? Comme je vous l'ai dit, j'étais parti sur l'amélioration du tir à l'arc pour envoyer l'amélioration de l'arc. Enfin l'amélioration du blocage de flèches plutôt. Afin de ne pas se faire toucher par les flèches. Alors je pense que on va partir sur une autre amélioration. Et je vous propose de prendre quand même le kick. Parce que le kick, ça peut bien nous aider.
Et là on l'a pas, donc ça peut être très utile, surtout quand il y a de la lave. Ça permet de, voilà, de projeter les ennemis dans la lave et c'est toujours cool. Alors qu'est-ce que c'est que ces conneries? Waouh. Ok, bon, bah ça c'est cool. Bah venez, bah tirez-moi dessus, y a pas de soucis les mecs. Y a pas de soucis. Allez venez, continuez à me tirer dessus bande de... Allez, allez, moi je renvoie les flèches. Ah oui, un vrai Jedi. Allez, 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 continuez. Bon par contre faut que ça touche hein. Voilà, si vous me faites chier je vais devoir y aller hein. Attendez, on va rester ici. Ah bah allez-y, allez-y, bah je vous attends, bah continuez. Bah oui, bah c'est pas, c'est cool. Ah vous vous faites plaisir hein. Ah vous vous faites... Oh merde, merde, ils essayent de m'entourer. Oh les enfoirés. Oh les... Oh merde, ils sortent leur sable quand on est à côté d'eux. Alors ça j'étais pas du tout au courant, mais pourquoi pas. Ah je brûle. Non, j'étais en train de brûler. J'ai été touché. Oh non mais j'y crois pas, j'ai quand même été touché. Alors ça peut pas se passer comme ça, je ne peux pas perdre ce challenge maintenant. Je ne peux pas abandonner, je ne peux pas perdre. Bon, il reste pas grand monde. Allez, allez, tirez, tirez, tirez. Allez, oh merde, lui il renvoie. Lui il est comme moi, il renvoie les flèches. Il est comme moi, il renvoie les flèches, le petit coquin. Ouais, on en a tué un, c'est parfait. Oui, le petit découpage de tête avec la flèche. Alors toi, toi tu vas venir tâter de mon arme. Et tâter également de mon pied. Rapproche-toi, rapproche-toi. Ah, tu sors. Ah, tu décides de sortir l'arc. Ah, mais t'es bien con toi comme mec. Ah ouais, t'es bien con. Bah écoute, on va te tuer comme ça. Comme ça, je vais pas prendre de risque. Allez, 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 ça va le faire, ça va le faire. Oh merde, il laisse quand même sauter. Je peux pas, j'ai pas envie de m'approcher, les amis, de risquer ma vie. Alors que je peux le tuer au corps à corps. Allez, allez, meurs. Allez, meurs, meurs. Allez. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez. Oh non, toujours pas, ça passe à côté de sa tête, mon dieu. Ça joue à rien. Bon, écoutez, je vais y aller. Hein. Bon. Oh non, 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 je rigolais, je rigolais. Oh. Oh oh oh. Mince, mince, mince. Le coup de pied, le coup de pied. Allez, on le finit. Attends, j'y crois pas, il est beaucoup trop fort. Beaucoup. Non, mais c'est pas vrai. J'ai dit le coup de pied au sol. Ah bah voilà, enfin, on l'a terminé. Yes. Bon, c'est parti. On va reprendre un cœur du coup. Et on va essayer toujours de prendre un cœur. Tant qu'on en a pas un sur nous, on en prend un afin d'être toujours en sécurité. Je pense que c'est une bonne idée. Donc on reprend un cœur. Par contre, on ne pourra en reprendre que un après. Est-ce qu'on aura utilisé tous nos cœurs? Je sais pas quand finit challenge. Je sais pas combien il y a de levels. Mais là, ça m'a l'air très compliqué. Attention, on est au 8ème level, les amis. Oh mon dieu. Bon, on va essayer de jouer un peu avec leur corps. On va sauter. Attention, il y a du feu là. Éviter de se le prendre quand même. Ouais bon bah écoutez on va oh wow, 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 on va y aller YOLO hein. Let's go. Et oh non. Mais non. Putain, j'y crois pas, je pensais pas qu'il avait autant de portée. Ah mais ils ont d'immenses marteaux en fait eux. Bon bah écoutez, c'est notre dernière chance. Ouais. Je suis pas très confiant là, je vous avoue. Oh là là, oh là là, il arrive d'où lui? Oh là là, il arrive d'en haut le petit coquin. On va attendre qu'il tape. Voilà, et là on peut le... Allez, le petit découpage. Oh toi. Oh oh, les mecs, les mecs, les mecs, tranquille. Calmez-vous. Ah, il a tué son... Oh. Oh, 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 meurs. Oh, le marteau qui... Ah, le marteau qui est passé à côté de ma tête. Ok, 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 il va redescendre. Oh là là, il est chaud, lui, il est chaud. Avec son petit jetpack intégré. Oh, ok, ok, ok. Non mais viens, viens, viens là, mon petit. Viens là, mon petit. Non, non, non. Il lui manque une jambe, il lui manque une jambe, on va le finir. Je meurs. Et c'est réussi. Et non, ce n'est pas terminé les amis, cette vidéo n'est pas terminée. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Allez bon, on va reprendre un cœur du coup encore une fois. Eh mais le, j'ai vu toute ma vie défiler au moment où le marteau est passé à côté de ma tête. C'était horrible. Bon, c'est le dernier clone qu'on va pouvoir prendre puisqu'après nous aurons utilisé les 5 clones disponibles dans les améliorations. On a plus le droit à aller. Enfin, là on a le droit à une erreur, mais après c'est terminé. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non mais ces levels deviennent de plus en plus taré. Oh là 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 là, c'est quand même compliqué ce qui se passe là actuellement. Oh, ok, il y en a un qui est mort bêtement, ça c'est plutôt cool. Alors toi, allez toi, on va te découper. Non mais même lui il renvoie les flèches, c'est trop chiant. Beaucoup trop de... Oh. Ouais ouais, t'as... ouais 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 ouais, fonce sur moi mon petit, fonce sur moi. T'as son corps qui a rebondi. Ok, bon, on va essayer de profiter peut-être des petites bombinettes de l'araignée afin de tuer cela. Bon, faut que je me rappelle que j'ai un petit kick que je peux peut-être utiliser. Allez, tiens, au sol. Bah, ça c'est bon, ça c'est bon. Allez. Non, 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 Kira, Kira, Kira. Si tu peux garder ton cœur, ce serait cool.
Ok. Wow, il est plutôt chaud lui, la petite roulade. Allez, 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 go. Allez, on le découpe. Non, 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 non. Oh non, oh non, là, là je suis déçu, j'aurais pu survivre. J'ai voulu faire le malin. J'ai voulu bourrer les coups. Et en fait, c'est une très mauvaise idée de faire ça. Et bah, j'ai perdu mon cœur. Et alors que là, j'étais juste super bien dans le game. L'autre il m'a vu arriver, il a fait une petite roulade. Bon, il lui manque une jambe. Logiquement, je vais le tuer facilement. Faut juste que je fasse pas ce que. Faut pas que je fasse de conneries et que je prenne mon temps. Voilà, je mets un petit coup de pied et je le finis au sol. Voilà, j'avais juste à faire ça. J'ai perdu mon cœur comme un con. On peut se le dire. Bon, ils tirent des flèches. Alors lui, il va pas sortir son épée quand je vais approcher. Alors c'est bon. Tranquillou. On va tuer l'araignée. Ouais, on va tuer l'araignée maintenant. Putain, ils ont mis l'araignée à côté de trucs de lave, quoi. C'est vraiment des enfoirés. Oh! Ah ouais, on l'a directement explosé. Ça, c'est fait. On va sauter. On va aller les rejoindre. Allez, la petite découpe. Il y en a un qui est beaucoup plus haut. Il est sur le bras. Vas-y, tire ta flèche. Voilà, et c'est réussi. Très bien. Bon, j'aurais pas pensé aller aussi loin. Et je crois que c'est le dernier level par la suite. Il doit avoir 10 levels par challenge. J'ai l'impression que le commentateur a dit ça. Vu que je suis nul en anglais, j'ai pas tout compris. Oh putain. On arrive au dernier level, les amis. Si on réussit, ce serait formidable. Je vais forcément prendre un cœur. Ah mais non, on peut plus prendre de cœur, c'est vrai, j'avais oublié. Donc on a plus le droit. Ah, on a le droit à aucune erreur du coup ici. Bah là, on est dans la merde, on peut se le dire. On est dans la merde. Oh, je sais pas quoi prendre du coup. J'ai envie de prendre l'arc parce que ça nous permettra. Ça nous permettrait de pouvoir tuer des. Je vais prendre l'arc. Peut-être que l'arc va nous permettre de réussir. On va pas l'utiliser tout de suite, mais je pense que ça peut nous permettre de réussir ce level-là. C'est parti pour le fight. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh, viens là, toi. Oh, viens là. Allez. Attendez, c'est pas une bonne idée de prendre l'arc tout de suite. Attendez, on reste tranquille. On reste tranquille, on prend pas l'arc tout de suite. Non. Oh. 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 Oh mon dieu. Oh non, 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 pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Mais non. Oh mais non, je suis trop déçu. Oh non, j'ai supprimé une bonguinette au mauvais moment. Bon bah écoutez les amis, on peut pas toujours réussir, on est quand même. On a quand même été jusqu'au dernier level sur ce challenge et ça me fait plaisir. Parce que je pensais pas que j'aurais été jusqu'à la fin. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu les amis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, à commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais de gros bisous et on n'hésitera pas à refaire une vidéo pour essayer de faire les autres challenges. Il y a 3 challenges à faire. Est-ce qu'on va au moins en réussir un? L'avenir nous dira. Donc je vous fais de gros bisous les amis, c'était Kira. Salut.